Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, découverte Asia, avec le film Luc l'Invincible. Donc j'ai découvert ce film un peu par hasard à Noz. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et quand on voit le derrière, là, les dessins, ça m'a bien branché. Hein. C'est des dessins de style des années 90, 80-90, et ça je trouve ça excellent. Donc on va lire le petit speech, hein, comme habituellement. Luc est un ESPER. Il explique « Un être surnaturel doté de puissants pouvoirs psychiques. Il mène une vie retirée sur la planète Toa. Loin de la guerre qui oppose les humains et les redoutables Lady Ken, refusant d'assister impuissant au massacre d'innocents, Luc rejoint le colonel Ryu des forces gouvernementales pour amener la paix dans la galaxie. Dès lors, il devient la cible des assassins de Khan. Pour survivre, Luc va devoir affronter les plus puissants guerriers ESPER de l'univers. » Donc déjà, le speech me branche vraiment bien. Franchement, ça amène à du bon. Puis bah derrière, le dessin est correct. Hein. Donc bah on va voir tout de suite ce que ça vaut. Petite transition et je vous dis ce que ça vaut à chaud. A few moments later. Donc je viens de voir Luc l'Invincible. Donc film très correct, hein, un bon film d'animation, avec des dessins des années 80, 90, je dirais plutôt fin 80. Donc le film est assez sympa, le scénario tient la route. Bon, ce que je reproche par contre, c'est le côté... combat, pas assez de combats, il y a un ou deux combats qui sont sympas, mais le reste est assez moyen. Et par contre, le combat final est... Non, le combat final, sans rentrer dans le spoil, le combat final est très moyen. On s'attend à... Pendant le film, on s'attend à un boss assez impressionnant, assez puissant. Et puis bah, quand on voit le combat final, non, le boss est pas là. Et ça m'a vraiment déçu sur ce point-là. Bon, ça reste un film très correct à voir, c'est pas le film d'animation de l'année, de la décennie, de l'époque. Mais je pense que ça reste un très film agréable à voir, surtout que moi je l'avais acheté à Noz à 1€. Donc là, ouais, à ce prix-là, foncez si vous le voyez, il n'y a pas de... Enfin, ça vaut le coup. Bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!